J'appelle les plus hautes autorités de notre pays à prendre toutes les dispositions nécessaires pour que dans tous les espaces sociaux soient aménagés des accès aux personnes handicapées afin qu'elles puissent circuler librement en toute autonomie et en sécurité. L'Église catholique au Bénin est déterminée à poursuivre ses œuvres caritatives aux côtés de toutes les personnes handicapées. La célébration de la 26e édition de la Journée internationale des personnes handicapées nous donne l'occasion de manifester publiquement notre engagement à défendre la dignité de tous nos frères et sœurs vivant avec au moins un handicap. C'est aussi l'occasion de vulgariser la loi 2017-06 du 29 septembre 2017 portant protection des droits des personnes handicapées en République du Bénin grâce au Festival des 100 voix que le plan stratégique de l'archidiocèse de Cotonou parraine en collaboration avec les autorités publiques, les différents acteurs impliqués dans l'accomplissement des personnes handicapées et grâce au leadership des sœurs OCPSP. Ce festival commencera par une caravane qui s'ébranlera de la paroisse Saint-Michel de Cotonou le samedi 17 novembre 2018 et s'achèvera au pied de Marie à la grotte de Dassa Zoumé le 3 décembre 2018.